Bonjour à tous et très bienvenue pour suivre la suite de ce 50e tournoi The Masters dans Beyond Gaming numéro 69B. Nous allons donc voir un petit peu qui va gagner ce 50e tournoi anniversaire, hein, qui va pouvoir souffler la bougie du gâteau pour cette fois-ci, en tout cas pour le mois de juillet. Alors ils étaient 16, hein, ils étaient très nombreux et sont déjà sortis, nous ont déjà quitté Kentris, Nico from Tokyo, 613 et grosse surprise, Esken, hein, dès le premier repêchage qui s'est vu partir. Nous allons donc voir 4 séances, j'ai envie de dire, en tout cas 4 parties. Puisque nous allons suivre le deuxième tour, donc entre les meilleurs joueurs de poule. Et puis ensuite, on aura donc le deuxième repêchage, demi-finale et finale. Donc les joueurs là qui vont perdre, rencontreront les joueurs qui se sont qualifiés lors du premier tour de repêchage. Ceux qui gagneront iront directement en demi-finale. C'est Gano qui commence, hein, donc le vainqueur du dernier tournoi, je le rappelle, qui fait preuve de beaucoup de stabilité. C'est vraiment ce qu'on doit lui remarquer comme qualité. Vraiment, il arrive à être très constant, ce qui fait que il pose des soucis parce que c'est pas forcément un joueur très rapide, même si là vous voyez que le différentiel est de grosso modo 1,30, puisqu'il sera pour les joueurs les plus forts, voilà, 7-7-7, Ko, il sera donc grosso modo 2 minutes 30. Pour les joueurs un petit peu moins forts, Meso et Korian, ça sera un tout petit peu plus d'une minute, 1 minute 15. Alors que SL a déjà rejoint la partie, et qu'aussi Jin Pachi. Et si, on va voir un petit peu, hein, ce qu'il donne. Je l'ai jamais suivi dans un tournoi The Masters. On a vu qu'il était pour le moment tranquille, hein, il a pas fait non plus des miracle, mais il s'en est sorti, il a su éviter toutes les embûches. SQR est là aussi, hein, il faut pas l'oublier, donc lui qui est habitué à être toujours très bien placé dans les tournois, donc ça va faire un adversaire quand même relativement coriace, Meso aussi, hein, c'est sûr. Et puis on a quand même les deux hommes en dessous des 9 minutes, 7-7-7 et Ko, donc c'est pour dire qu'il va y avoir quand même du challenge, hein, parce que seuls 4 hommes vont pouvoir s'en sortir sur ces 8, donc ça va faire vraiment un gros tri là, et il va avoir des accidentés, des gens qui vont partir, rentrer tête basse, parce qu'ils n'auront pas pu déjouer ce casse-tête qui leur est proposé tout de suite. Allez, on regarde un petit peu, toutes les constructions sont très propres, tous les joueurs ont construit savamment leur jeu, pas de carry. Alors attention, Jin Pachi qui est déjà un petit peu dans les hauteurs, non c'est bon, fou, le hit qui est arrivé, là, heureusement il en faut, ah, il miss drop son hit là, ah là là là, ça va être dur, il a quand même encore un peu de sursis, hein, parce que heureusement il en a eu un autre qui est arrivé assez vite, ça lui a permis de faire descendre le niveau. Comment il va gérer ça? Je pense qu'il va gérer, il va récupérer la première échancrure, il va casser ligne par ligne. Je regarde un peu ce qui se passe sur les autres écrans, mais ça se passe plutôt bien, hein. Ko, Meso, rien à signaler, 7-7-7 aussi très bien, SQR bien aussi, Korian a rencontré quelques carries dans son bas de jeu, ce qui lui a fait perdre certainement un petit peu de temps, mais rien de dangereux à signaler, alors que Jibati est toujours en train un petit peu de lutter, ça il a déjà récupéré, hein. Il a quand même bien récupéré cette affaire, parce que c'était mal barré, hein. Vraiment là ça commençait mal, était déjà en situation où, vous voyez, un miss drop en hauteur là de la barre, ça peut ne pas pardonner, hein. Alors que tous les autres joueurs continuent vraiment, ça y est, même Korian va pouvoir récupérer sa petite carry qu'il avait en bas de jeu là, parce qu'il est descendu suffisamment bas pour pouvoir corriger ça. Il utilise même là magnifiquement un wall kick sur le T, hein, superbement utilisé. Il va pouvoir en utiliser un autre, il va arriver au ralentissement, hein, donc c'est le moment d'en profiter, puisqu'après c'est terminé, on est de nouveau arrivé au level 0, puisque, enfin, comme si on était à la vitesse du level 0, puisque beaucoup d'hommes là sont au level 200. C'est le cas de Gannoho, c'est le cas de Korian, c'est le cas de Jinpachi, c'est le cas d'Esquire.
C'est aussi le cas de Ko d'ailleurs, de Meso, pratiquement tous, hein, SAL, et 777 aussi, ils sont peut-être pas tous au même, exactement au même niveau. Alors là, ça va très très vite, hein, bien sûr, il y a très peu de différentiel, et on s'aperçoit donc que hormis Ganoo, qui est vraiment en avance, puisqu'il est à 300, il est à 340, hein, lui, il est vraiment devant. Eh bien, ensuite, c'est SAL. Et après, on trouve déjà SQR, qui va être peut-être le plus avancé, avec pas loin de lui, Meso, mais Corian aussi est là. Il y a Jinpachi, il y a 777 qui est déjà dans les niveaux de Jinpachi. C'est pour dire la vitesse où ça va. Et que là, il y a forcément des très bons joueurs qui vont être obligés d'aller au repêchage. Hein, parce que le niveau, il va être très très élevé. Il est très élevé dans cette poule, et ça va, enfin, dans cette poule, dans cet affrontement là, forcément on a les meilleurs, mais il y a tellement de gros joueurs que c'est sûr que ça va parler au niveau de la construction. Il va avoir des gens qui vont rester sur le carreau, ceux qui vont rester même sur le Tetraminos, hein, je pense, parce que il va pas avoir droit à beaucoup d'erreurs là, hein. Le joueur qui va s'aventurer à faire le petit déplacement qu'il ne faut pas, le miss drop, le satané miss drop, eh bien il va le payer cher directement par un passage fortement déconseillé, hein, pourtant, mais qui peut être une deuxième occasion de se qualifier. Donc un passage par le repêchage. Allez, je regarde un petit peu où c'en est. J'ai l'impression qu'il y a certains joueurs là qui vont pas tarder à frotter. Alors bon, bien sûr, les 400, le level 400, mais c'est le cas déjà de Garno et de SL qui sont à la tranche 400 à 500. Mais je n'arrive pas à savoir exactement où ils sont. J'ai l'impression qu'ils sont autour de 470. Alors, les autres joueurs, c'est un petit peu difficile. On voit que Ko est un petit peu en retard parce qu'il n'a pas franchi les 400, alors qu'ils sont déjà franchis pour SQR, ils sont même franchis pour Corian. J'ai l'impression donc que ouais, 777 est à peu près au même niveau. Et ça, elle vient de franchir le niveau 500 au passage. Ils sont à peu près au même niveau. Il doit être légèrement plus avancé. Voilà, 460, 447 pour 777, 450 pour Meso qui est légèrement encore un petit peu devant. Il a commencé avant 777 qui est normal. 440, 445. Ah non, c'est peut-être 450. Non, 450. Ça y est. Pour Ko, 476. Là, on voit 80. Même, ça y est, maintenant, il est à 480. Corian. Donc tous les hommes sont là. Ça va très très vite. Hein, parce que c'est sûr que pour Gano, ça va être, je pense, mission impossible et SAL de ne pas se faire rattraper du tout. Ça va être juste de la folie. Regardez comment les hommes construisent, ça va vite, c'est fluide, ça pose, ça lock tout de suite. Là, je suis en train de regarder le jeu de SQR qui est très très beau. Celui de SAL aussi. Pourtant, SAL ne démérite pas là. Il a une belle construction qui va l'amener à faire plein de Tetris. Il gère super bien. Il casse. Alors, par contre, là, il fait d'une ligne par ligne, hein, ce qui fait qu'il perd énormément. Temps. Ah, ça c'est pas super là, il a fait beaucoup de ligne par ligne, à chaque fois il a perdu un tout petit peu moins de 700 millisecondes. Ça c'est pas vraiment une bonne opération, alors qu'à côté la construction est parfaitement maîtrisée par 777 qui vient de passer donc un grade supplémentaire. Il est à 585 là, il a dépassé déjà SQR, il a déjà dépassé SQR, Corian et SQR qui sont quasiment au même niveau, mais tellement 777 est en forme et va vite là, il a pris les places un petit peu sur tout le monde. On sent déjà aussi que Meso est pas si loin que ça de rattraper Corian et SQR. Alors après au gré là des Tetris, ils sont tous passés au niveau 600 à peu près de la même manière, que ça soit SQR, Corian, 777, donc ces trois joueurs là sont vraiment dans un écart très très faible, et ça va parler, mais il reste encore quand même un petit peu moins de 400 levels pour discuter de ça entre hommes et de savoir qui va encore en avoir sur le pied pour poser du carrelage le plus rapidement possible, faire le plus de Tetris possible, pas perdre trop de temps. Mais je pense que pour Gang-Ho et SAL, voilà, qui sont quasiment, qui vont pas tarder à se faire rattraper, même si SAL, hein, a pris de la distance en ce Gang-Ho, puisqu'il a franchi le level 700 plus tôt que Gang-Ho, et c'est pas étonnant. Il avait une très très bonne construction, hein, je l'ai signalé tout à l'heure, et ça se confirme là, cette bonne, peut-être aussi une bonne distribution, mais en tout cas quelque chose de bien mené. Alors par contre pour Meso là, c'est pas la joie. Attention, on va être obligé de perdre un petit peu de temps. Normalement c'est bon, je pense que. Alors attention, parce que du côté de Corian aussi,
c'est un petit peu élevé. Ko, il faut qu'il corrige un peu. Enfin, pas qu'il corrige, mais là, qu'il ait un petit peu de chance à la discussion. Ça me fait peur pour Corian, là, c'est bon. Ça respire, quasiment deux hits de suite, hein, c'est super. Et un troisième, hein, oh là là, c'était pour ça que c'était tant monté. Il n'en avait peut-être pas eu beaucoup. Et là, ils sont tous arrivés d'un seul coup, hein, l'algorithme de distribution qui fait des siennes. Et voilà, ça permet un petit peu de respirer. Alors, Ko, son jeu, c'est un petit peu élevé, là. Par contre, il a fait une petite erreur qui lui a conduit à lever un petit peu sa construction. Voilà, magnifique rotation et déplacement sur la gauche du T qui lui permet de récupérer un petit peu tout ça. C'est remonté de nouveau pour Corian. Construction pour Jinpachi qui est un petit peu osé, mais qui peut se faire. Oh, magnifique la rotation avec le T là. Il l'a posé entre les deux côtés de la falaise, hein, j'ai envie de dire, pour le faire passer, continuer à le faire tourner. C'est toujours magnifique de voir ça. Et vraiment superbe, super mouvement. Là, il faut que je regarde les niveaux parce que c'est tellement serré. Donc, SAL qui me semble toujours en. Qui sont toujours en tête. C'est la mort, alors que c'est la mort de Gando. De toute façon, il était déjà dépassé, puisque c'est SL qui est en tête avec 840-50 et qui est suivi avec 830 par 777. Les autres joueurs sont un petit peu en retrait. On voit que Ko n'est qu'à 775. Il n'a pas franchi encore le level 800. Jinpachi vient de franchir le level 800. Ça va être là. Ah, c'est la mort de Meso, hein, qui n'avait pas franchi le level 800, qui du coup accélère un petit peu son. Et celle qui au ralenti. Et celle qui au ralenti, ce qui fait qu'il va se faire certainement dépasser. Il n'y a plus qu'une dizaine de levels entre 777 et SAL. Alors tous les jeux aussi se sont mis vraiment à être pas beaux là. Entre Ko, SQR, Corian, c'est pas terrible. Et SL qui meurt, ce qui fait que, eh ben, 777 passe obligatoirement devant. Il est au level 900. Tous les autres jeux sont pas très propres, hein. Là, il y a eu une épidémie sur les bornes 1 et 2. Là, d'un seul coup, les jeux sont devenus très sales. Il va falloir mettre un coup de torchon, là. Un coup de détache tout pour enlever les taches. Parce que il y aura pas de Mimi, de Raracle. Et là, c'est la porte ouverte à la victoire de 777. Je ne vois pas ce qui pourrait l'empêcher, en tout cas pas quelqu'un qui le rattrape, hein, à part une mort qui serait complètement de sa faute, mais pas du fait d'un rattrapage par un autre adversaire. Je ne vois pas ce qui pourrait lui barrer la route à la demi-finale. Alors, que je regarde un petit peu, parce que ce n'est pas fini, hein, parce qu'évidemment, ils sont encore 5, et donc il y a un homme qui ne va pas aller directement en demi-finale. Celui qui semble le plus en retard, c'est qui, alors j'ai un petit peu de mal à voir, c'est Ko. Pour le moment, ça serait Ko qui ne se qualifierait pas, voilà, grand maître, sans surprise, pour SSN en 9-12. Hein, ça a été très très vite. Il va être rejoint très certainement. Alors, je sais pas qui est le premier, c'est peut-être Corian. Voilà, Ko, ah, et Ko qui meurt! Ah là 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 là. Et ben Ko qui va passer par le repêchage. Grand maître pour Corian, voilà. Ensuite, ça devrait pas jouer. Non, ça devrait peut-être Jinpachi avant SQR. Regardons ça qui va être grand maître d'Eva, non, c'est quand même SQR, voilà, de rien, qui est passé, et c'est ces 4 hommes qui entreront en finale, donc Jinpachi, en demi-finale, par contre, Jinpachi, SQR, 777, et Corian, alors que nous allons trouver Ko tout de suite, en fait, eh bien, dans repêchage. Alors il va retrouver un Gano qu'on a vu aussi, Sahel, un Meso, tous ceux qui sont un petit peu paumés, voilà. Et puis on va aussi voir Dol, Emma, Yen, et puis Hiyoko, et on aura voilà les 8 joueurs qui vont faire ce deuxième repêchage avec 4 places pour la demi-finale. Alors qu'est-ce qu'on va avoir là comme gros bras de fer? Ah, alors Ko, c'est vrai que là ça laisse peut-être voir des chances, hein, Gano, pourquoi pas, il peut y croire, parce que le duel va être entre Ko et Meso, qui sont les deux gros joueurs de cette poule. Mais qu'est-ce que ça va donner? On a vu, alors là déjà, Dol est obligé de sacrifier la dernière ligne. Il a préféré pas perdre de temps, poser, sacrifier une ligne. Bon, il se dit c'est pas très très grave. C'est le début du jeu, peut-être que ça ne me portera pas préjudice. Peut-être que déjà il y croit pas. Hein. Il a peut-être déjà sorti les mouchoirs. Il se dit j'ai aucune chance de me qualifier. Je ne résisterai pas à Meso ni aux autres. Peut-être Yoko, hein, qui construit pas si mal que ça. Uko ou Emma. Et c'est peut-être trop dur. Voilà, ça y est, en tout cas, il a récupéré une bonne base de jeu. Et si quand même il joue la gagne. Hein. Il n'a pas décidé tout de suite de déposer le i dans le pied à Tetris pour commencer la valse des Tetris. Hein. Non, non, il a préféré monter encore un petit peu sa construction pour essayer de gagner du temps le plus possible. Donc il prend quand même pas mal de risques, hein. Là il casse de 3-4 lignes.
Il préfère de trois lignes, pardon. Il préfère en gagner un petit peu quand même d'espace. Bon, après, quand vous faites trois lignes, c'est bien. Hein, voilà, le truc, c'est pas se retrouver à faire une ligne. Là, c'est bien. Il a eu une bonne utilisation du L pour faire trois lignes, hein, parce que le maximum, c'est quatre que vous pouvez faire. Donc voilà, c'est quand même relativement optimisé. On voit beaucoup de joueurs hein, qui font ça, qui laisse hein, à cause de ça souvent un espace pour le L. Comme ça on peut venir et eh bien faire dans le pire des cas éventuellement on peut récupérer trois lignes, ce qui est une bonne optimisation de son jeu. Alors beaucoup d'autres joueurs nous ont rejoints et on les salue. SAL, Emma sont dans la partie là. Alors pour Emma, il a rencontré déjà quelques petites difficultés à monter son jeu en mid-screen, ce qui fait que là il est obligé un petit peu de casser et c'est pas trop quoi faire là, il hésite, hein, il stat, il sait pas trop où mettre ses pièces, le doute l'habite, et c'est bien dommage, hein, je rappelle l'émission 69, et donc il a commencé un petit peu doucement, alors que SAL a commencé peut-être un peu vite là, parce que non c'est bon, il a récupéré, c'est peut-être triste, il va attendre, il a attendu, faut-il qu'il arrive, ah, c'est bon, il avait laissé un petit espace pour casser ça, et c'est bon, ouais, non, bien géré là, superbement géré, Ko et Meso sont là, et c'est eux qui vont devoir faire le travail pour essayer de rattraper le plus possible et le plus rapidement possible. Même si, bon, voilà, on a quand même 2 minutes, hein, mais bon, il y a des joueurs qui risquent de peut-être de mourir avant. Hein. C'est vrai qu'il y a des joueurs qui sont moins sûrs. Voilà, l'image d'un Doll là qui a vraiment du mal à faire des choses propres et à chaîner les Tetris. Des jeux qui sont un petit peu étranges. Hein, Gano, c'est un petit peu parti dans les hauteurs. Il est en train d'attendre la barre pour faire son pied à Tetris sur la gauche. Alors en fait il a construit, enfin il a essayé de casser un petit peu en remplissant ce qui se passait à gauche, et ce qui a été une bonne initiative et qui le sauve hein, au final, parce que là il attendait depuis un petit moment un i pour le caler à gauche, mais il a préféré donc combler, remblayer son jeu pour essayer de faire de la ligne et récupérer en 2 temps une construction saine, et c'est ce qu'il a éliminé un petit peu la plaque dentaire hein, de son jeu, et il a tout à fait eu raison. Là, c'est un petit gain de temps. Alors, par contre, pour SL, c'est marrant comme il a monté là, son jeu du côté gauche. Il a raison, hein, c'est ce qu'il faut faire. Il vaut mieux essayer de combler au maximum à gauche, et puis ensuite mettre un petit peu les pièces à droite, parce qu'après, c'est un peu plus dur à gérer. Allez, il prend des risques, hein, SL là, fait le spectacle quand même, hein, parce qu'il joue bien, c'est propre à regarder, ça pose bien, il n'y a pas trop d'hésitation, et pour le moment, bah, ça tient le choc. Et qui sait, ça pourrait peut-être vous offrir une place pour un tour de plus. C'est vrai qu'à comparer, on voit que Yen a beaucoup plus de mal là à gérer sa distribution correctement. Il essaye de récupérer là inlassablement un fond de jeu, mais c'est beaucoup plus difficile. Hein. Ouais, voilà, en plus, il mise drop son S, ça va pas l'aider. Garno, hein, qui du coup a complètement clearé son écran, son aire de jeu et sa base de construction qui était complètement résorbée, et il n'avait plus rien, il a recommencé à construire en bas. Hein. C'est intéressant, une petite perte de temps là pour Ryoko. Il va falloir qu'il récupère tout ça, mais ça devrait pas. Oui, non, je pense que ça devrait bien se passer. Ah, par contre, il est obligé d'attendre un i, oui. Ah, il a créé un petit trou là, ça va pas être. Ça va pas être pour tout de suite, mais ça va se faire. Hein. Ça va se faire. Ouais, ça y est, là c'est bon. Il va pouvoir voir le jour là. Et puis il prend pas de risque. Il préfère casser directement, quitte à le faire en 2 temps, quitte à perdre un peu de temps. C'est pas grave. Là, il préfère voilà jouer de façon sûre. Ryoko, il se dit peut-être que je peux aller encore un peu plus loin. Pas la peine de tenter le diable. Ça, il y a encore la marge, ça passe. En plus, il a raison, on est au début, on est au level 300. Alors, donc toujours Yen qui doit être qui doit être un petit peu, je ne sais pas. Ouais, il est au level 450. On voit qu'il y a bon pas d'autres joueurs, mais il est à 450, 460. Il y a d'autres joueurs qui sont au level 400. Je vois SAL, je vois Doll. Qui pourrait venir eh bien déjà le rattraper parce qu'ils sont dans la tranche 400-500 aussi. Et entre les hommes, alors Ko et ils sont quasi à égalité, hein, Ko et Meso, voilà, autour de 350-360, 370, on est légèrement devant, mais d'une courte tête, hein, vraiment rien, d'un bout de Tetraminos, il est un petit peu devant, peut-être là c'est les hasards de la distribution, hein, des fois, vous savez, voilà, vous êtes un petit peu aidé, vous avez eu 2 barres au bon moment. Vous avez pu faire le plein de Tetris, le plein d'énergie, et c'est peut-être ce
ce qui s'est passé. Alors, pour Gano, attention, c'est remonté dangereusement là, hein, alors que à côté SAL continue à bien gérer, hein, pour le moment assez impressionnant au final SAL. Il va arriver dans les 500 alors que c'est chose faite pour Doll, c'est aussi fait, chose faite pour Yen depuis 40 levels. Et il arrive à tenir, hein, même s'il a eu quelques petits soucis. On voit à côté 440 pour Ko, 450 pratiquement pour Meso. Attention pour Gano hein, quand même là de pas, c'est il est dans une petite période là où il faut qu'il se reconcentre pour essayer de corriger ça le plus rapidement possible. Doll lutte un petit peu à 527 là, ce qui fait qu'il va pas certainement pas rattraper Yen tout de suite et ça va très vite. Il est sur 530 SAL là, c'est-à-dire qu'il est déjà sur les traces de Doll. Il y a Gano là qui est vraiment en très très grande difficulté. J'avais déjà signalé hein, qu'il était en étonnant et qu'il devait se reconcentrer pour essayer de corriger tout ça. Il m'a pas écouté. Ah, il peut pas relever la tête duel et c'est fini. Ah, c'est le premier à être éliminé de ce deuxième repêchage. Eh bien, il n'ira pas plus loin. Dommage, 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 dommage. Mais là, il fallait faire attention hein, quand on arrive à level 500. Tout de suite, essayer de faire redescendre un petit peu sa construction si on n'est pas trop sûr de ce que l'on va faire. Alors que je reviens sur SAL qui est pratiquement en train de rattraper. Il est en train de rattraper. Il est complètement en train de rattraper Doll. Et ça, c'est une bonne chose. On voit que Doll aussi, là, il est en train un peu de lutter. Il faut qu'il fasse attention. Attention parce que sinon il faut qu'il attende. C'est pas ça qu'il lui faut. Voilà, c'est très bien. Ouf, en plus ça suit là. Il est aidé un peu par la distrib et il casse. Il a raison pour se donner de l'air, mais il va pas pouvoir rattraper. Il va pas pouvoir distancer ou en tout cas éviter le rapprochement et le dépassement de SAL hein, qui est donc maintenant et bien devant. Il y a Emma hein, qui est dans le parage. Faut pas que j'oublie non plus parce qu'il a commencé à peu près dans les mêmes marges. Il est derrière. Hein, Doll, mais il fait partie pour le moment du trio de tête derrière ça se rapproche hein, ça se rapproche quand même très dangereusement parce qu'on voit qu'ils sont à 20 levels Koe Meso de Emma, donc c'est dire. Et à Ioko qui est pas si mal comme que ça aussi hein, 630 dans les mêmes temps que Koe Meso, sauf que lui il a pas commencé au bout de 2 minutes par rapport à Yen, donc attention ça risque, vous risquez de vous faire fortement doubler. Et Yen qui continue hein, tranquillement à construire là avec son 730, il faut pas l'oublier, il est toujours là même si SAL est passé devant Doll, et ben Yen il est toujours avec son avec sa petite cinquantaine de levels d'avance et il continue à construire, il faut pas que je l'oublie parce que même si SAL est très très impressionnant et qu'il a il a rattrapé fortement Doll, il reste encore Yen à passer et on voit alors là ça va ça se resserre hein, ça se resserre. Ko et Meso qui ont déjà distancé Hiyoko et qui sont en train de rattraper Emma qui tient le bon bout hein, qui est juste un petit peu derrière à 50 level. Non, il est quasi il a égalité là, oui, parce que là il est en train de lutter Doll, là, Doll il est vraiment en train de lutter. Alors, ça va être une barre, il peut pas la faire tourner. Il peut pas la faire tourner puisqu'il pouvait pas initier de rotation de la barre, il y avait pas la place. C'est fini, donc du coup Emma passe juste maintenant et bien derrière SAL qui lui est toujours en train d'essayer de lutter pour attraper Yen, mais ce qui fait que Ko et Meso sont déjà sur les traces d'Emma. Du coup Ioko est distancé et il va falloir maintenant essayer de rattraper Yen. Alors pour le moment donc les quatre hommes qui se qualifient, ce serait qui vont se qualifier pour le moment, ça serait Yen, SAL, Ko, je pense, et non, parce que non, Emma est encore devant, donc ça serait Emma, donc SAL, Yen, Emma, et après ça se joue entre Ko et Meso, un des deux pour le moment, sans qu'on puisse. Ah, là, ça va être la mort d'SAL, ah non, ça c'est dommage vu qu'il a tant fait, alors il va pas pouvoir s'en sortir là, je vois pas, non, il pourra pas, c'est fini, ce qui laisse la porte ouverte du coup pour Emma, donc Yen et Emma et Ko et Meso pour le moment c'est eux qui seraient qualifiés. Ioko étant déjà derrière, on voit pas ce qui pourrait se passer sauf si bien évidemment Yen n'arrivait pas au bout hein, mais pour le moment elle a mis se dropper là quand même l'arrivée du Z, alors que là il a bien placé son S, mais il a raté sa dépose de Z, et là du coup ça lui a fait perdre un petit peu de temps. Il est donc à 915, à peine une dizaine de levels derrière lui Emma, et ils sont quasi au même niveau. En tout cas Ko a passé level 900 sans trop d'embûche, il est une petite dizaine de levels hein, si de justesse une petite dizaine de levels, mais soit plus traîné sur le passage des 900 et Yen est quand même à 900 hein, pour Ko il est encore à une petite dizaine de levels de
Messot. Au final, il n'est pas si éloigné que ça, hein, donc rien n'est fait. Est-ce que Yen va aller jusqu'au bout? Voilà, c'est ça en fait la vraie question. Est-ce que Yen va pouvoir conclure son jeu? Est-ce que surtout il va être, j'ai pas regardé, est-ce qu'il va être grand maître? Parce que je n'ai pas regardé quand est-ce qu'il a passé son S9. Tous les autres joueurs ont passé son S9. Lui, il est déjà S9, donc peut-être hein, que rien n'est fait. Parce que s'il n'est pas grand maître, là par contre, ça pourrait profiter à Yoko si lui, même si c'est après, eh bien, s'il achève sa partie en grand maître, il peut tout à fait participer à. Là, par contre, la grosse, je sais pas ce qu'il veut lui faire. Là, je sais pas s'il a oublié de faire tourner sa barre et de précharger sa rotation. Ah, voilà, il est pas grand maître, hein! Il est pas grand maître, Yen, donc ça veut dire qu'il sera pas qualifié. Voilà, Yoko qui aura sa place. Voilà, grand maître pour Meso, grand maître pour Yoko et grand maître pour Emma Eko. Et donc, c'est mort. Et la sortie, malheureusement, de Yen, hein, qui aura mené le train en tête à la mort de Sahel, mais qui n'aura pas su être grand maître. Hein, ouais, c'était la dernière interrogation que je me posais. Est-ce qu'il avait suffisamment fait de choses pour être grand maître? Eh bien non, notre réponse, donc nous ne le retrouverons pas en demi-finale. Eh bien, ça fait quelques petites surprises, et on va avoir une grosse, grosse demi-finale. Hein, parce que vraiment, il y a que des bons. Il y a que des bons. Ça va être vraiment, je pense, assez épique et assez difficile à suivre. Jinpachi, SQR, Emma, Ko, Korian, 777, Iyoko et Meso, les hommes peut-être les plus faibles étant Iyoko et Emma de cette poule. Et pourtant, c'est pas des mauvais joueurs. Voilà, c'est les deux d'ailleurs qui commencent quasiment dans les mêmes temps. Ils sont de la même rapidité, de la même veine en tant que grand maître. Et il va falloir tenir le coup parce que c'est vrai que ça va être vraiment ardu là, ce qui va leur être demandé de tenir eh bien l'écart contre d'autres joueurs. Alors on s'aperçoit, vous en apercevez peut-être là, que vous voyez que vous dites tiens c'est bizarre parce que 777 il démarre avant Ko au final. Et celui qui a le plus grand écart c'est Ko. Alors je vous rappelle hein, qu'ils ont mis en place, c'est vrai que je le dis pas assez souvent, mais un système d'handicap. Donc vous regagnez en fait au fil des tours que vous passez quand vous arrivez premier, ce qui fait que c'est plus juste, et eh bien vous gagnez du temps. Et ce qui fait que ça permet de réduire votre handicap quand vous en avez un trop grand. Et ce qui permet des équilibrer quand même un petit peu les forces parce que c'est vrai que par moment c'était un petit peu absurde de devoir essayer de combler quelque chose comme 5 minutes ou 4 minutes. Voilà, et donc si vous vous posez la question de savoir pourquoi 777 a commencé avant Meso et Ko, eh bien c'est pour ces raisons-là. Ben, ils sont tous là, ils sont tous présents, ils sont tous en train de construire et ça va aller vite, hein. Ça va aller vraiment très vite. Alors level déjà 110 et 120 pour Emma, ça s'est mieux passé pour Emma que pour Iyoko, mais ça va arriver très très vite derrière. On voit que Jinpachi, bon, qui lui a démarré 25 secondes après les deux hommes, est déjà à 100 et qu'il est pas si loin de ça hein, que Iyoko qui est déjà sur le point de se faire doubler alors qu'on est vraiment tout au début de cette grande demi-finale de ce 50e tournoi. Et je pense que vraiment on va avoir du spectacle, ça va construire très vite, il faut que j'ai les yeux partout. Donc bien sûr il y a des joueurs qui vont prendre la prise de risque de faire monter très vite leur jeu. C'est le cas de Korian, on voit que si c'est le cas de Ko, il va falloir tout faire pour essayer de gagner, pour essayer de grappiller du temps. Voilà, SQR aussi qui monte un petit peu son jeu, mais pas trop, hein, pas trop, moins que 777, moins que Korian ou Ko. Ko est aussi redescendu, hein, il est peut-être pas non plus en confiance, il a pas fait d'énormes parties, ça monte un petit peu pour certains joueurs. Emma qui essaie de contrôler sa construction, là qui est un petit peu parti pour le ralentir, mais je pense qu'il va réussir. Et il faut quand même deux heals, hein. Il faut qu'il casse, voilà, très bien. Donc il préfère la solution de dire je vais développer un grand trou central. Par contre voilà, faut casser des lignes, hein, quitte à faire un petit peu de temps. Voilà, il casse deux lignes, c'est bien, il faut temporiser pour ne pas mourir tout de suite. Voilà, il a fait deux lignes encore, et là il fait enfin son Tetris, c'est très bien géré. Ça joue très haut du côté de 777 et Ko aussi, qui ne veulent rien lâcher. Alors quels sont les joueurs qui sont déjà passés donc à 200? Bah forcément Emma et Iyoko. Emma qui est légèrement devant d'une courte tête, mais qui est déjà, et Korian est déjà sur leur trace, ce qu'il a 220 au même à peu près niveau que Jinpachi. Alors que les autres joueurs, SQR viennent passer level 200, 77 va passer 200, et Ko et Meso sont en dessous. Et ils ont commencé un petit peu plus tard des 200, 270 maintenant pour Emma,
qui maîtrise bien, hein. Vraiment, la bon début de partie, il a fait quelque chose de très propre dès le début, on sent qu'il a été beaucoup plus sûr dans sa construction que par exemple Yoko qui là, eh bien, en paye, hein, justement le prix parce qu'il est obligé de rattraper maintenant dans son fond de jeu les erreurs qui ont été commises en tout début de partie, et ça, ça le ralentit, et ça ne fait qu'accroître l'écart, même s'il n'est pas si grand que ça, mais la petite tête, le petit bout de Tetraminos que a en avant, eh bien Emma, ça fait la différence, mais bien sûr c'est rien vu ce qui arrive derrière, parce que voilà, ça y est, Korian, lui, il arrive déjà à 310, ça y est, trentaine de levels d'écart, vingtaine de levels d'écart par rapport à Yoko, trentaine par rapport à Emma, ça va pas arrêter de se doubler, d'autres joueurs vont franchir à part des 300, SQR vient de la franchir, 777 va franchir, ça y est, vient de franchir les 300, toujours Ko et Meso qui sont retardataires, mais c'est normal, mais on est qu'au level 300 et ça commence déjà à grignoter avec Korian qui va commencer à arriver tout proche de Yoko, même si Yoko là a repris un petit peu du poil de la bête, hein. Ça construit beaucoup mieux, même s'il faudrait qu'il élève un petit peu son jeu pour faire quelques Tetris là, il faudrait qu'il en profite. Attention, voilà, par contre, pour Jinpachi, ça c'est dangereusement élevé. On est dans les sims là. Oui, ça y est, c'est bon. Pas le jeu, hein, rien à voir. Voilà, c'est bon là. Superbement géré pour gagner un petit peu d'espace. Par contre, il a mis droppé juste après, après ce soulagement. Très certainement, il a mis droppé son T qui arrive un petit peu n'importe comment et à pouvoir gérer ça. Ouais, superbe. Super. C'était même, peut-être même presque voulu, hein. Je sais pas. Parce que c'est bizarre, c'est les pile poils. Non, je pense pas quand même que c'était voulu. Mais c'est qu'il l'a tellement bien rattrapé après qu'on aurait presque pu croire qu'il l'ait fait exprès, hein. Vraiment magnifique. Là il décale, hein, bien sûr, les hauts pour essayer de combler la carie qu'il avait volontairement créée à cause d'une distribution un petit peu malheureuse. Il a fait au mieux. Allez, on va voir. Donc là, beaucoup de joueurs sont dans les 400, assez signe que ça se rapproche. 400, il est déjà à 430, 777, il est en train de rattraper Korian. 440 pour SQR, qui a toujours une courte tête. Devant encore 777, le level 500 est franchi pour Emma, mais j'arrive pas à voir s'il se fait grignoter à combien. Il est à 470 Korian, donc il y a une vingtaine de levels, une petite vingtaine de levels entre SQR 777 et Korian. Pour ces joueurs là, ça, il a franchi le level 500 Yoko, il est derrière, il a une trentaine de levels, une vingtaine de levels de Emma qui est toujours en tête, qui tient bon pour le moment, mais il y a Korian qui est toujours là et qui rattrape, qui est à une petite dizaine maintenant de level d'Yoko. Mais même si Yoko construit vraiment mieux là, depuis quelques minutes, là ça va mieux, ce qui fait qu'il va... merde, il suffit que je dise ça pour qu'il mise drop et qu'il rate la dépose du S là. Et donc, alors que ça allait un petit peu mieux, là ça va peut-être un peu le ralentir. Est-ce qu'il a déjà rattrapé? Korian qui est juste qui va lui passer devant, mais dans un même temps, ils sont plus qu'à 10 levels SQR et 777. Je regarde où sont les autres hommes, ils sont bien aussi, Ko et Meso. Ils sont pas mal du tout. Et ce qui fait, hein, que par exemple, donc Korian déjà est passé devant. Il a effacé Jinpachi. Ça va être le cas aussi. Ko et Meso ont aussi effacé Jinpachi. Pas de beaucoup, hein, mais voilà, ils sont sur ces traces, on va dire, où ils sont au même niveau. Et c'est vrai que voilà, on voit que 777 vient de franchir les 500. C'est les 600 qui sont qui va franchir les 600. Excusez-moi, c'est la mort de Jinpachi, mais qui était déjà de toute façon débordé, hein, par Ko et Meso, qui vont eux arriver aux 600, les 600 qui sont déjà franchis par 777, par aussi bien sûr Yoko et Emma, mais par SQR et par Korian. Alors que je regarde un petit peu, que j'essaie de voir, il stagne un petit peu là Emma, du coup sa bonne progression c'est un petit peu embousé, là il est un petit peu resté coincé à 670, ce qui va faire que il y a plus qu'une vingtaine là, de levels d'écart de nouveau entre enfin, c'est souvent une vingtaine de levels d'écart, hein. Et là, j'y peux rien. Ça se rattrape. Ils sont tout proches. Il y a une dizaine de levels d'écart, un petit peu, toujours aussi, hein, entre Korian, 777 et SQR. Ce qui fait que, c'est très serré, là. C'est vraiment, vraiment très serré. Tous les joueurs ne doivent pas trembler à ce moment, parce que ça va, quand même, hein, ça tient en haleine, parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont tous dans les 700, ils sont à 710 là. Ah, ça y est, 777 qui passe, il est pas loin de passer Yoko. Emma, hein, qui tient toujours. Il va encore tenir, hein, il va encore falloir réussir à effacer Yoko, ce qui est pas chose faite, hein, pour SAL, SQR ou Korean. Donc là, les places sont chères et ça va être difficile, hein, pour Ko et Meso. Ça va être vraiment très difficile, hein, vu la vitesse
vitesse du jeu, même s'il reste un peu moins de 300 levels. Oh là là, je sais pas, on se remarque. Bon, il peut arriver encore un accident, mais Emma semble avoir repris bien le contrôle de sa construction. Il va franchir les 800, mais par contre, il pourra pas retenir 777, à mon avis, Esquire ni Corian, hein, à part si ces gens-là meurent, parce que là, oui, ils sont quasiment 800, ils sont pratiquement 800. On voit que Iyoko, ça y est, cette fois-ci, va se faire passer devant. En tout cas, c'est chose faite, s'est fait passer devant par Corian sur Talon. Elle perd un petit peu de temps, du coup, la Esquire, puisque 777 a déjà passé le level 800 avant Esquire. Donc, ce qui fait que ça le ralentit un petit peu dans sa progression. Corian qui est passé devant Iyoko et donc qui maintenant est deuxième. Ça devrait aussi passer dans pas très longtemps devant Iyoko, ce qui va être classé troisième. Donc, les quatre hommes seraient pour le moment Emma, Iyoko, 777 et Corian, puisque légèrement en retard encore un petit peu Esquire, hein, mais qui rien n'est perdu, rien n'est perdu pour prétendre à la suite. Et il se rapproche hein, quand même. Il faut pas oublier Ko et Meso qui sont à 840 à peu près, donc ils sont à une dizaine de levels d'Esquire, mais c'est pas encore ça. Voilà, par contre, pour Iyoko, ça devient un petit peu plus compliqué. Il va perdre du temps là, il va perdre du temps, et du temps il en a plus, parce que voilà, alors que Emma a passé le level 900, il va passer le level 900, 777, il va le passer largement, voilà, avant Iyoko. C'est aussi le cas pour Corian. Alors Esquire, donc, qui est au même niveau que Iyoko, donc c'est encore très serré entre Iyoko et Esquire. Esquire peut prendre la quatrième place peut-être, mais toujours en tête Emma, suivi de 777, suivi de Corian. Après, donc, ça se joue à rien là, c'est toujours Iyoko qui a la quatrième place, et à une petite tête là, il y a Esquire et il y a Meso hein, qui a rejoint la partie, parce que ça y est, maintenant ils vont quand même arriver, même si c'est très dur, ils vont quand même être dans les eaux et dans les parages de Esquire, mais qui a déjà lui perdu du temps. Ko qui est à 910 hein, qui essaye de lutter lui aussi, mais c'est dur, c'est vraiment très dur. Ils pourront pas rattraper Emma qui va finir, ah, quoique 777 pourrait il pourrait peut-être être remettre juste avant, mais je vois pas comment Emma pourrait pas faire partie de la finale. Ah, il va passer, c'est quand même, ils sont passés quasi en même temps, là, je sais pas ce qui va être décidé. Ah oh là là, j'ai pas eu le temps de voir, je vais regarder la suite. Qui a été, donc Corian qui les rejoint. Allez, qui va être l'autre? Qui va être le dernier entre Esquire? C'est serré, là. Ah oh là, ça sera quand même Esquire. Ah là là, magnifique. Ça sera quand même Esquire à rien, hein, mais il est passé devant. Ah, de toute façon, il était pas grand maître. Ah, il y a pas de regret. Iyoko qui n'avait pas passé certainement une des sections et qui n'était pas grand maître. Mais Meso qui termine. Mais ça ne sera pas la finale pour lui. C'est Emma, alors, hein, qui, au finish, a été déclaré grand maître avant 777. Quelle demi-finale, parce que c'était vraiment très très serré. On voyait tous les hommes étaient à dizaines, vingtaines de levels. Corian, ça repassait devant, ça luttait. Bon, Jinpachi qui a lâché un petit peu. Mais vraiment, Iyoko qui a tenu jusqu'au bout et qui empêchait les autres joueurs... d'aller d'avoir leur place, hein, d'avoir leur ticket pour la finale. Et ça a été très très éprouvant. Et nous connaissons maintenant les quatre finalistes. Corian, Emma, 777, Esquire. Emma commence. Ça fait un écart d'une minute 10 pour 777, hein, qui a bien réduit son écart, parce que il est arrivé quand même pas mal de fois vainqueur. Il est arrivé deuxième au tour d'avant. Bon, Emma est le premier à démarrer, parce que c'est celui qui est le moins rapide à être grand maître. Mais on va avoir encore un bras de fer entre 7-7 et Esquire. Et ça fait bien plaisir de voir Corian de nouveau dans une finale un peu plus à l'aise là que par rapport aux deux derniers tournois où ça s'était pas super bien passé. Là, ça y est, là, on le revoit. Il est en forme. Il est là, le meilleur joueur de Tetris. Toutes versions confondues. Il va aujourd'hui faire honneur à sa réputation, qui pourtant une réputation qui n'est plus à faire, hein, voilà, tellement cet homme est fort. Allez, les trois hommes ont commencé, qui sont Esquire, Corian, Emma. On n'attend plus que 777, et voilà, le mano à mano, le duel. C'est le Far West, musique d'Ennio Morricone, là, qui s'est mise en place. Vous pouvez aussi, vous, chez vous, mettre la bande-son pour voir cet affrontement avec les gros plans sur les visages, la mouche qui se pose sur la borne pour savoir qui va être le vainqueur de ce tournoi anniversaire, quand même, le 50e anniversaire. C'est quelque chose, c'est pas rien, un peu plus de 4 ans de tournoi, de la sueur, de l'organisation, beaucoup de vidéos uploadées, de nombreuses parties, des sticks de changer, des tabourets.
un nombre incomparable de paires de chaussettes, de slips, pour venir jouer, bien sûr, à TGM. Et c'est admirable de voir un petit peu ces gens-là qui vont s'affronter. Attention, hein, quand même, pour Corian, qui est obligé de commencer à corriger. Donc, corriger égale perte de temps. Et on n'en a pas du temps. Hein. Il faut faire tout en bas, bas, bas avec son stick. Là, on n'a pas le choix. Il faut vraiment aller très vite, tel un robot, faire fi de toute mauvaise distribution, contrôler presque la distribution, inciter les pièces, les déplacer. Je suis David Schiffer, magicien des temps modernes. Voici Claudia, mon assistante. Ils ont intérêt à faire appel à leur meilleure assistante parce que ça va être vraiment, vraiment. Je pense que ça va être serré, mais c'est vrai que 777 peut faire le trou assez rapidement. Hein. Il peut faire sa passe. Hein. Il peut faire sa passe. Il peut faire sa place. Voilà. Il peut faire le trou rapidement pour sa passe dans ce numéro 69. Décidément, je suis rattrapé par les chiffres, ces numbers. Je ne sais pas qui c'est qui a écrit l'équation de cette émission. En tout cas, le résultat est 69. Et ce n'est pas pour déplaire, apparemment. Et les joueurs vont faire parler la poudre. C'est ce que nous espérons. J'espère qu'il va avoir un duel. Hein. Franchement, j'espère qu'il va avoir un duel. Donc pour le moment, Emma est toujours en tête avec 255. Déjà, qu'est-ce qu'il va, il est déjà à 200. C'est le cas de Corian. Il est à 180, 190, 777. Pour dire que Emma, il va déjà se faire dépasser. Il va entendre boum. C'est comme ça, un circuit de F1. Il va juste, voilà, voir passer la pollution, la traînée de la voiture précédente. Tellement ça va aller vite. Hein. C'est vrai que parce que là, il va se faire dépasser. Je pense assez rapidement, une soixantaine de levels d'écart entre SQR et Emma. Et d'ici 500, il restera plus grand-chose. Hein. Je pense que, ouais, à moins d'avoir fait une prière, peut-être qu'il y a des cierges qui sont partis en fumée pour réussir à faire quelque chose là. Mais alors que Corian est en train de perdre du temps là, hein, parce qu'il corrige, il corrige. Mais ça, on n'a pas le droit de corriger là, pas dans une finale comme ça. Pas quand on a 777 et SQR, on n'a pas le temps de réparer sa construction là. Hein. C'était avant qu'il fallait faire le devis. C'est trop tard maintenant, il faut continuer coûte que coûte. Et on peut pas s'arrêter. Attention pour 777 là, ouh, qui va devoir velouter, là ça va le ralentir, ça va le ralentir, là il va être un petit peu aux arrêts, ça va être une bonne chose peut-être pour SQR, pour Corian aussi, ce qui fait que ça va le ralentir là, alors qu'il n'a pas hein, à être ralenti, hein, 777, il n'a pas le temps, il n'a pas le droit. C'est vrai que là on peut vraiment le dire, hein, lui il a pas le temps parce que il faut que il rattrape les autres, donc il a vraiment pas de temps à perdre. Il n'a pas le temps pour corriger quoi que ce soit. Il faut qu'il aille vite et toujours plus vite et en faisant des Tetris, hein, si possible. C'est mieux. C'est mieux. C'est ce qui est demandé. Alors que Emma est donc dans la tranche 400 à 500. Je pense qu'il est autour des 400. J'arrive pas à voir si c'est 440 à 450. Bon, peu importe. Alors que SQR n'est pas encore hein, à 400. Là, il lutte lui aussi à son tour. À chaque fois, hein, je veux dire, à un moment donné dans votre jeu, il y a des choses à corriger. C'est une période un petit peu obligatoire. Mais il faut pas que ça dure. Voilà, c'est surtout ça. Là, c'est le contraire hein, de Jean-Yves Lafesse. Hein. C'est pas pourvu que ça dure. Il ne faut pas que ça dure. Hein. C'est vraiment ces constructions, ces réparations. Faut que ça aille très très vite. On n'a pas le temps de réparer. Voilà, c'est vraiment ça. C'est interdit. C'est interdit. Il faut construire, construire sans faire de caries, pas de soins dentaires, pas d'honoraires non plus, hein. C'est vrai que c'est d'actualité. On n'a pas le temps, voilà, ça, de s'en occuper. Allez, les joueurs continuent. Alors que du coup, là, Emma, un petit peu, t'es dans le pâté, là, il faut qu'il se retrouve ses esprits, là, hein. On peut pas se permettre ça. Allez, il va falloir un I, là, non, il va falloir un J, peut-être, non, il préfère casser directement en plusieurs temps, il va perdre un petit peu de temps, là, c'est comme ça lui laisse un petit peu le champ libre pour SQR de grappiller, comme ça, quelques pièces. C'est aussi le cas pour 777, hein, qui a toujours pas dépassé Corian. Alors, Corian, lui, il est au même niveau que SQR, et ils sont à une cinquantaine de levels, grosso modo. De Emma et choses ne sont pas encore faites. Hein. C'est Emma qui pourrait créer la surprise. Hein. Parce que s'il tient pour le moment, un tient dans la main, un tient dans la main. Hein. Je disais rien, je disais rien. Mais c'est vrai qu'il va falloir compter aussi sur Emma qui va peut-être hein, compliquer les affaires de SQR de cette Corian. Même si c'est vrai quand même que là, il a quoi.
Il y a vraiment trois grands noms, parce que même si bon, SQR est plus jeune, voilà, ce qu'il fait, c'est relativement incroyable aussi sur les jeux TGM. Bon, 777, c'est incroyable ce qu'il fait sur TGM tout court, et puis Corian, bah, c'est incroyable ce qu'il fait sur Tetris tout court. Donc voilà, et bon, alors là, 777, ça y est, qui a pu faire descendre un petit peu son jeu qui va enchaîner de Tetris, ça fait du bien ça d'enchaîner les Tetris comme ça permet de se donner de l'air. Parce que ça s'en donne tellement qu'il est déjà derrière SQR, hein, mine de rien. Il n'est pas si loin que ça. Il est à peine à 20 levels d'SQR. Et SQR qui est au même niveau que Corian. Ils ont toujours ces deux hommes, une quarantaine de levels d'Ikaparema. Et 777 est déjà en train de rattraper. Il est déjà en train de rattraper SQR. Hein. Oh là, la vitesse. Est, parce que regardez, il est en train de baisser son jeu. Donc là, il perd du temps. Il construit plus bas. Donc forcément, les pièces mettent plus de temps pour un petit peu arriver. On voit, c'est plus lent, c'est plus dur. Ça force. Ces pièces qui résistent, hein, qui disent non, je veux pas y aller, je veux pas y aller. Si, il faut y aller, j'en ai rien à faire, j'ai fait bas mon stick et je veux que tu te poses là. Et ça, il a repris SQR, il construit de plus belle avec des magnifiques enchaînements. Ça construit vite, là, ça pose le maximum les pièces à plat quand elles sont de 3 cases là pour essayer de faire monter bien sa construction et de gagner du temps, de gagner un maximum de temps alors qu'il a toujours sa dizaine de levels d'écart par rapport à 777. Par contre, enfin, Corian est d'une courte avance, hein, vraiment rien. Oh, magnifique ascension du tour, il fallait la tenter là. Oh là là, ce qu'il a fait par contre, il va attendre le L, il va attendre le L arrive, le L arrive qui l'insère pratiquement d'une traite sans avoir rien à faire. Vitesse où il a inséré le L, c'est relativement incroyable. Ah, par contre, ça va un petit peu bouchonner là. Oh là 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 là, ça va être la 7, là, ça va être la 7 dans les départs des juilletistes, ça va être plus difficile. Il y a un péage là qui s'est mis en travers de la route de Corian. Ça ralentit un petit peu comme ça fait les affaires un peu même beaucoup de Corian. Faut que j'arrête de dire un peu, moi je sais pas ce que j'ai, je dis toujours un peu, un petit peu, comment ça, beaucoup, c'est beaucoup qu'il faut dire. Et 800, ils sont tous à 800 là, 777, Corian et SQR, ils sont à 840 level d'écart par rapport à Emma, et c'est encore pas fait, hein. Emma il peut encore gagner, on sait pas, on peut vraiment avoir une surprise dans sa 50e tournoi, surprise Emma, qui gagne ce tournoi là, alors qu'il est face à Corian, SQR et 777, mais alors là, il peut faire péter le champagne. Alors là, c'est victoire, c'est champomis pour tout le monde. Hein. Ouais. C'est, il tient la route. Hein. Il a pas faibli. Hein. Son jeu est plutôt bon. On voit que sa construction, bon, elle a un peu souffert, quoi. Il y a eu une petite déflagration. Voilà, c'est un peu Toulouse après la ZF. Enfin bref, mais c'est jouable encore. C'est vraiment vraiment jouable. Hein. Je pense que il peut peut-être, mais ce qui va être horrible, c'est que je pense que les hommes vont vraiment arriver là, parce que là, ils vont arriver justement. En fait, c'est autour des 990, 950 que ça va se faire, parce qu'on voit là qu'ils viennent de passer le 900, donc il y a plus une dizaine. Là, ça traîne un peu pour cette tête, parce qu'on a porté là pour passer le 900. C'était aussi le cas pour Corian. Du coup, il y a plus que SQR qui s'est détaché et qui a plus qu'une dizaine de levels maintenant par rapport à Emma, parce qu'ils sont un peu en retard. Du coup, hein, 777 et Corian qui ont bloqué pour passer le level 900. Et c'était pas le moment d'avoir une crampe là. C'était vraiment pas le moment. Il faut plutôt risquer le claquage parce que il faut y aller. Là, il faut y aller. C'est là. Si vous voulez parler, il est en train de rattraper, il est en train de le bouffer. SQR qui est complètement en train de gruyer. Emma, c'est juste pas possible. Comment il vient de lui passer devant en rien? Enfin, là, il est au même niveau, mais comment il l'a grappillé là? Ça a fait boum. Et là, il est au même niveau. 980, vas-y, bourre-le. Est-ce qu'il va y arriver? Est-ce qu'il va réussir à passer devant alors que ça semble pas possible pour Corian? Et cette qui va rester forcément derrière, il va passer devant le grand maître. Oh, il est passé à rien! Mais cette flèche de SQR, incroyable, juste incroyable, SQR qui gagne ce 50e tournoi. Mais le passage là, comment il est passé en a rien de temps là, il a passé beaucoup plus vite que les autres, son level 900, il a pas du tout traîné. Alors après, ça a été vraiment Tetris sur Tetris, et il a tout de suite quasiment rattrapé Emma qui n'a pas démérité, mais qui n'aura pas su résister. Et ben bravo à SQR qui remporte encore un tournoi en 2012. Il est incroyable, vraiment vraiment SQR qui va être l'homme, je pense, de 2012, hein. Vraiment, sur c'est son année, il est inarrêtable, il gagne ce tournoi, et pourtant il n'y avait pas des bras cassés. Et c'est juste pas possible, là. En 2012, il en a déjà gagné 3. C'est le troisième qui gagne. Oh là là, alors pas d'affilée, hein, bien sûr.
Mais magnifique. Voilà. Et bien, j'espère que vous aurez apprécié ce spectacle. C'était vraiment formidable, le 50e tournoi. Il y avait de la lutte. C'était très très serré dans les poules. On n'est pas aussi habitué à voir des choses aussi restreintes, aussi étroites. Et c'était vraiment magnifique. Quant à moi, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une très très bonne continuation. Et gaming!